Yo l'équipe, c'est Fry, j'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, ça pète la forme. Aujourd'hui la team va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Les gars, on va se retrouver pour un glitch d'argent illimité les gars, sur PS4 et Xbox One, en 100% solo les gars, et 100% pour les pauvres. C'est vraiment un glitch le plus rentable pour l'instant sur GTA 5 Online. Il est top à 100% les gars, et on va tout de suite le voir ensemble. Avant que l'on commence, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner les gars. Autant de les 1000 likes, je pense vraiment que c'est possible, je compte sur vous. Voilà, et n'hésitez pas à la partager à tous vos potes, ça permet d'augmenter la chaîne et ça fait plaisir les gars. Donc les gars, c'est le glitch simplement avec les courses de chevaux. Il y en a peut-être beaucoup qui l'ont vu aujourd'hui sur YouTube puisqu'il est sorti. Mais c'était vraiment un glitch aléatoire, ça ne fonctionnait pas du premier coup, c'était un petit peu chiant. Donc là les gars, on va voir le glitch, c'est une toute nouvelle méthode super facile à faire. Tous les founders sont en description. Et pour ce glitch les gars, il faudra juste une carte de membre à 500$. C'est tout ce qu'il vous faudra, je vous l'ai montré où elle s'est située pour ceux qui ne l'auraient pas. Mais il faudra juste ça, étant donné que le casino est gratuit, vous n'aurez rien besoin d'autre à part une carte de membre de 500$. Et un petit peu de jetons. Donc c'est vraiment vraiment top. Donc je vous avais proposé pardon quelques vidéos de duplication et d'argent où il fallait pas mal de choses. Là les gars, je vous propose un glitch ou simplement c'est pour les pauvres. Donc tout d'abord on va se retrouver au casino les gars, et on va acheter des jetons. Moi pour ma part j'en ai acquis 50 000, mais si vous avez même 10 000 c'est parfait. Donc 10 000 jetons est égal à 10 000$. Tout le monde a 10 000 dollars sur GTA, donc minimum 10 000 c'est parfait. Quand vous aurez les jetons les gars, on va se retrouver tout simplement au truc des chevaux. Vous allez voir que là je suis en session publique, j'ai tout simplement changé de session. Voilà, donc les gars, cette méthode-ci est infaillible. Elle va beaucoup mieux que l'ancienne qui est sortie, c'est aujourd'hui. Voilà, donc tous les founders sont en description, les gars, merci à eux. Donc on s'installe sur un siège, peu importe lequel, on s'en fout. Voilà. Donc les gars, faites très attention parce qu'il sera vite patché, donc vraiment, allez-y rapidement. On va aller sur les paris simples, les gars, et puis on va aller sur miser. Là, vous voyez bien qu'il est mis pour le premier 1 sur 1. C'est pas assez bon pour nous, donc on va faire ronron et on va recommencer. Miser. Là, il est mis 2 sur 1, ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va mettre nos souris sur la flèche de droite. Vous voyez bien, juste pour augmenter la mise. Et ce qu'on va devoir faire comme glitch, c'est faire flèche du bas et en même temps croix et on maintient croix. Donc c'est très simple, les gars. Flèche du bas et en même temps croix et on maintient le bouton croix ou A sur Xbox. Donc regardez bien, là, boum, je vais recommencer. Donc je fais miser. Là, 1 sur 1, c'est pas assez pour moi, je recommence. Le premier 1 sur 1, je recommence les gars. Hop, on fait miser sur Paris Simple. Là, 3 sur 1, gros vantard. Donc ça, c'est la mise que vous pourrez avoir de gain en plus. On va sur la flèche du bas, la flèche de droite. Et là, on fait flèche du bas et on le met à croix en même temps. Donc regardez bien, boum. Là, vous voyez bien en haut à droite, moi, sans jetons. C'est parfait. Et là, vous allez voir que pendant que je suis en train de faire la course, il va avoir un gros bug. Là, je maintiens toujours croix les gars. Je maintiens croix jusqu'à la fin de la course. Je suis toujours en train de maintenir croix. Et là, regardez bien, un gros bug va se passer, c'est qu'on va avoir le menu du casino derrière. Là, vous allez voir que, regardez, je peux bouger ma souris, les gars. Avec le joystick de gauche, je bouge ma souris. Et à un moment où je suis sur la flèche de droite pour pouvoir augmenter la mise, je relâche croix et je remets croix. Et là, les gars, je continue à maintenir le bouton croix. C'est super, super, super simple. Et là, bien évidemment, il faut que vous ayez de la chance de gagner la course. Forcément, puisque vous avez choisi le premier coureur, normalement, vous avez le plus de chances de gagner la course. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, les gars, c'est simple. Quand vous êtes sur la flèche de droite pour augmenter la mise, vous faites flèche du bas et croix en même temps. Et là, directement, à la moitié de la course, ça vous fera un bug avec le menu. Vous montez votre joystick vers pour augmenter la mise et là, vous remettez croix. Là, vous voyez bien, haut à droite, 40 000 jetons. Donc, ça veut dire que hors des 100$, je me suis fait 40 000 dollars, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Là, j'ai recommencé la course, les gars, mais j'avais perdu, c'est pas grave. Donc, regardez bien, flèche de droite. Donc, vous voyez bien, on va sur la flèche de droite de la mise. On fait directement flèche du bas et en même temps on maintient croix. On laisse notre doigt appuyé sur croix les gars pendant la course. C'est très important. Voilà, c'est parti, on laisse notre doigt appuyé. Là, à la moitié de la course à peu près, on va avoir un bug. On va avoir le menu de la course qui s'affiche. Avec le joystick de gauche, on maintient, regardez, jusqu'à la flèche pour augmenter la mise. Et on relâche croix et on remet à croix. Et là, on continue à remettre croix, les gars, pendant toute la course. Là, malheureusement, j'ai perdu. Mon cheval n'a pas gagné. Mais ça, encore une fois, les gars, c'est complètement aléatoire. Forcément, vous êtes sur le premier coureur, donc vous avez plus de chance. Mais vous ne gagnerez pas à tous les coups. C'est vraiment un glitch pas mal, les gars, puisqu'on se fait 40 000 dollars à chaque fois qu'on gagne. Donc, je pense que c'est pas mal. Moi, en tout cas, sur ce, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous ceux qui partagent, qui like et qui s'abonnent. Ça fait toujours plaisir, les gars. Je vous kiffe. Merci d'être présent. C'était Fryze. Prenez ça de vous. Allez, bye tout le monde.